La luge de Zou. Pouk, laisse-moi dormir. Pouk, arrête. Alors, tu veux jouer, c'est ça? Hein? Ah! Waouh! Il neige! Eh bien, je te conseille de t'habiller chaudement avant d'aller jouer dehors, Zou. Oui, bonne idée. Attends une petite seconde, tu ne sortiras pas avant d'avoir pris ton petit déjeuner. Ah, il neige! C'est génial! Oh, j'adore la neige! Je me souviens quand j'avais ton âge, j'adorais faire des bons zèbres de neige avec mes amis. On allait dévaler les pentes du jardin public sur nos luges et... J'aimerais bien qu'on ait une luge, papy. Eh bien, pourquoi on n'en fabriquerait pas une? Oh oui! Eh bien, je te propose d'aller l'essayer au jardin public pour voir ce dont ce petit bijou est vraiment capable. Oui, et si on passait prendre Elsie? Hé, hey, je viens avec vous. Ça fait des années que je n'ai pas fait de luge. Regarde ma luge, papa. Ah oui, joli travail. Papa, tout va bien? Oui, ce n'est rien. J'y suis allé un peu trop fort. Vous savez quoi? Je vais aller m'asseoir sur le banc là-bas avec papy et laisser la luge aux experts. Bonjour, Elsie. Merci, Zou. Oh. Bonjour, Elsie. Admire ma nouvelle luge. Elle a plein de jolies clochettes. Alors, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Oh, bien sûr que non. On va garder un œil sur elle. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois assister à une réunion importante. Et Zinia voulait tellement essayer sa nouvelle luge. Au revoir, Zinia. Au revoir, papa. Sois sage. Au revoir. Au revoir, Xavier. Au revoir, Xavier. Elle est géniale, cette luge, Zou. Elle va vraiment très vite. Sûrement pas aussi vite que la mienne. Oh, c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est une tomate écrasée. D'accord, monsieur tomate écrasée. À vos marques, prêt? Partez! Allez, imbécile de luge! Allez, Zou! Bravo, Zinia! Oui! Je ne suis pas une tomate écrasée. Mais non, bien sûr que non, Zinia. Ma luge n'était pas échauffée, c'est tout. On recommence. En trois manches. C'est au tour d'Elsie de prendre la luge, donc tu feras la course avec elle. D'accord, pas de problème pour moi.
J'aurais dû gagner, mais de mon côté, la neige était trop froide et c'était moins glissant. En plus, j'étais pas prête. Oh! Alors, Elsie, tu es prête? Prête pour la descente? Ah, ça oui! Non, prête pour une course contre moi! Une course en trois manches! Zinia et sa luge contre la nôtre! Oui, super! À vos marques! Prêt? Partez! Attendez, je suis pas prêt! À vos marques, prêts, partez! Stop! Ma clochette! Zinia, qu'est-ce qui se passe? Ma clochette! Elle a disparu! En plus, c'était ma clochette préférée! T'inquiète pas, Zinia, on va la retrouver! Dans toute cette neige, comment on va faire? Peut-être que ta luge irait un peu plus vite sans elle. Je ne veux pas aller sur ma luge tant qu'on ne l'a pas récupérée. Ce n'est plus la même maintenant que la clochette a disparu. Elle ne fait plus de jolis bruits comme avant. Ne t'en fais pas, Zinia. Je suis sûre qu'elle n'est pas bien loin. S'il te plaît, Époque, on essaie de se concentrer. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? Pas sur ma luge. Moi, je suis très fort pour retrouver les objets. Allez, partons à la recherche de la clochette. Où est ma clochette? Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh! Et puis il y a trop de neige! Alors les enfants, vous n'avez plus envie de faire de luge aujourd'hui? Si, papy, mais on cherche la clochette de Zinia. Elle l'a perdue pendant la course. En plus, c'était ma préférée. Ma luge n'est plus vraiment la même sans elle. Ne t'inquiète pas comme ça, Zinia. On va la retrouver. Je suis sûre qu'elle n'est pas perdue. Oh! Oh non, désolée, ce n'est qu'un vieux bouchon en liège. Tu en dis, Zinia? Pas avant que ma luge soit réparée. Oh, je vais t'arranger ça en moins de deux. Et en attendant, on pourrait rentrer à la maison, manger quelque chose de chaud et nous réchauffer. Cette neige est peut-être très jolie à regarder, mais brrr, j'ai froid. Ça ne prendra pas longtemps à réparer, hein, dites? Pas si c'est papy qui s'en occupe. C'est le meilleur réparateur du monde. Et Poc, c'est le meilleur chercheur d'objets.